Petit peu servant pendant un an au de la mairie. Mais on vient de Méricourt. On habitait 28 ans à Méricourt. Et on est venu ici parce qu'on a notre fille qui est au centre de la masse et puis qu'on voulait venir dans un village. Quoi. Comme le village est accueillant, il est joli. Voilà. On a été bien reçus par tout le monde. On s'y sent bien. On s'y sent bien, voilà, c'est ce qu'il nous faut, quoi. En plus, les maisons sont bien appropriées pour nous. C'est un plein pied, c'est équipé. Bon, comme je vais chercher ma fille au centre dans un fauteuil roulant, tout est équipé pour elle. Ils sont vraiment bien finis. Combien de fois qu'il y a des gens qui nous disent ben, « Vous regrettez pas Méricourt ?» Non, parce que là-bas, c'est une ville. Et non, on y est bien, c'est calme et tout. Vous êtes donc chez Chantal et Jean Polino, qui habitent Cervin depuis maintenant 7 ans.
Votre visite est due en vérité au fait que nous ayons participé au concours des jardins et potagers. Et on a eu la chance cette année de terminer second. Ce concours rassemble plusieurs critères, à savoir le potager dans le premier temps, avec la variété des légumes. Nous en avons eu cette année, quant à nous, 42. La vigueur des légumes, la propreté et l'entretien général. Laurent, ici présent, vient de m'apprendre que les écoles envisageaient également d'agrémenter leur cours au travers de mini-potagers. Ben, cet effet, je m'engage de donner, j'ai chaque année des surplus de graines, de rencontrer le ou la responsable, et s'il veut bien, bien évidemment, de choisir parmi les quelques paquets de graines que j'ai en trou chaque année. On est dans le potager de Servin. Je veux te faire visiter le potager. On a déjà porté des arbres. J'habite Servin, on a une nouvelle cour de récré, on s'amuse bien, on a un but de foot, on joue au foot. Shuffling. Fill up my cup, don't mess around. We just wanna see you shaking down. Now you home with me.